prêt parce que nous, sans coalition, nous avons déjà une coalition. Parce qu'aujourd'hui, je suis parvenu à fédérer l'ensemble des militants de tous les leaders du PDS qui étaient là. C'est déjà une très forte coalition où je dirais qu'il y a sept courants. Il y avait le courant de Cheikh Tidiane, de Ousmane Massek, de Ousmane Gom, de Ahmed Fall Braya, de Baylawar, etc. Tous ces gens-là sont venus autour de ma personne. C'est déjà une coalition. En plus de cela, nous avons les alliés naturels. C'est l'AJ PADS, c'est UCS de Baldé, c'est EPDS de Mamou Cissé. Nous avons discuté aujourd'hui avec le Réumi, parce que probablement Réumi est parti, le docteur Ndoye Essako avec Bambaye, mais la base a refusé. La base a dit qu'ils vont rester avec nous. Et ça, vous le savez, une déclaration sera faite en ce sens. Nous sommes en train de discuter aussi avec d'autres sensibilités. Et probablement, nous ne pouvons pas donner la liste définitive de nos alliés, parce que jusqu'à ce jour, les tractations sont en train d'être faites. Et peut-être très bien, probablement, mardi à midi, on va officialiser la liste parfaite de l'ensemble de nos alliés pour la coalition que nous sommes en train, que je suis en train de diriger, que je vais diriger au niveau du département comme au niveau national. Et je pense que nous allons gagner aussi en 29 jours. Alors, Monsieur le Président, la dernière information, c'est le départ d'Awa Diaye, vous l'avez connu. Est-ce que cela vous arrête? Bah, j'en ai parlé. J'ai dit à l'époque que le départ de Awa pour nous, c'est un non-événement. Parce que le PDS s'est fait à 500 ans. Parce que le PDS est devenu fort à 500 ans. Donc si elle est partie, non seulement ça ne nous a pas surpris, mais de toute façon ça ne nous empêche pas de dormir. Nous continuons à travailler. Et beaucoup de ces militants ont pris l'engagement avec nous de dire qu'ils vont voter pour le PDS et qu'ils restent PDS. C'est bon.